l'adoration aujourd'hui avec des chœurs. The Sermon, A Blushing Prophet, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, November 25th, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Un prophète qui rougit », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 25 novembre 1956 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. And may the Lord add his blessings to the subject of a blushing prophet. Maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions au sujet un prophète qui rougit. This morning we were very much stuck up with a prophet who wore a second-handed robe. And we know tonight, since in the scripture this morning, that we ourselves wear a second-handed robe. Ce matin, nous étions très captivés par l'histoire d'un prophète qui a porté un vêtement d'occasion. Et nous savons, ce soir, selon le passage de l'Écriture de ce matin, que nous portons nous-mêmes un vêtement d'occasion. Nous, le vêtement, et je suis si heureux que ce soit un vêtement d'occasion, car ce vêtement que nous portons maintenant, c'est un vêtement que Dieu nous a imputé à justice par Jésus-Christ. And we're not taking the moth-eaten robe of some man's theology who's been eaten up with moths and crickets and so forth, saying that the days of miracles is past and there's no such a thing as the omnipresence of the Holy Spirit now. But we are wearing a robe of His righteousness, not in our own abilities, but in the ability of our Lord Jesus. Et nous ne prenons pas le vêtement rongé par les mythes de la théologie d'un homme, qui a été rongé par les mythes et les grillons et tout ça, et qui déclare que les jours des miracles sont passés et que l'omniprésence du Saint-Esprit n'existe plus. Mais nous portons un vêtement de sa justice. Pas par notre propre capacité, mais par là, la capacité de notre Seigneur Jésus. And when I come down to the Jordan, I want to have on His robe, trusting in His. And the great shadow of the gate that's set before us all, called death, each time our heart beats, we go one beat closer to that great gap that every man and woman must go through. Et lorsque j'arriverai au Jourdain, je veux être revêtu de son vêtement, m'appuyant sur le sien. Et la grande ombre de cette porte appelée la mort se trouve devant nous tous. Et à chaque battement de cœur, nous nous approchons davantage de cette grande brèche par laquelle tout homme et toute femme doit passer. And when I come to that gap, along with you believers, I'm so happy to know that I'm not going there with this in my heart and mind, that I have done something great. Et quand j'arriverai à cette brèche, et vous aussi, les croyants, je suis si heureux de savoir que je n'irai pas là-bas avec la pensée dans mon cœur et dans mon esprit d'avoir accompli quelque chose de grand. I'm going there confessing and knowing that I'm a sinner, and knowing this, that I want to wrap myself in the robes of His righteousness. With this testimony that I know Him in the power of His resurrection. That when He calls from the dead, I want to come out. J'irai en confessant et en reconnaissant que je suis un pécheur. Et en sachant ceci, je veux m'envelopper dans les vêtements de sa justice. Avec le témoignage suivant, je le connais dans la puissance de sa résurrection. En effet, quand il fera l'appel à sortir d'entre les morts, je veux en sortir. Now, our scene and drama is set tonight for our text.
of another day in Israel, which was about several hundred years past the time of Elijah. Many ups and downs had come in the reign of Israel. Maintenant, pour notre sujet de ce soir, faisons un récit vivant et imagé d'un jour en Israël qui se déroule plusieurs centaines d'années après l'époque d'Élie. Le règne d'Israël a connu bien des hauts et des bas. And now we're at the scene tonight. This morning we were at the scene of where there was a lot of carnal impersonation. How did the school of prophets were up there training to be prophets? And how simple they were, they couldn't understand the power of God. Et maintenant, notre scène se situe ce soir. Ce matin, notre scène se situait à l'époque où il y avait beaucoup d'imitations charnelles. Et nous avons vu que l'école des prophètes était là pour former des prophètes. Et ils étaient si naïfs qu'ils ne pouvaient même pas comprendre la puissance de Dieu. They thought the power had lifted Elijah up and told him out on the mountain somewhere, and to send a search party to hunt for him. When Elisha knew good and well that God had taken him to glory, or he was not. God had taken him, and he escaped death by going home to God on a chariot of fire and horses of fire. Il pensait que la puissance avait fait monter Élie et l'avait projeté sur la montagne quelque part, et ils ont envoyé une équipe pour aller à sa recherche. Pourtant, Élisée, lui, savait très bien que Dieu l'avait emmené dans la gloire, car il n'était plus. Dieu l'avait enlevé et il a échappé à la mort en rentrant à la maison auprès de Dieu, sur un char de feu et des chevaux de feu. And then we've seen that their seminaries and their works of their own theology, this work had taken election and calling of God to make a prophet of God. Et alors, nous avons vu que leurs séminaires et les œuvres de leur propre théologie ne fonctionnaient pas. Il fallait l'élection et l'appel de Dieu pour faire un prophète de Dieu. And now tonight, we find Israel in a backslidden condition. Israel had its ups and downs. It was the very type of the church today. Sometimes they were on the housetops, the next time they were down in the valley. Et maintenant, ce soir, nous trouvons Israël dans un état rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. C'était le type même de l'Église d'aujourd'hui. Parfois, ils étaient dans les hauteurs. Ensuite, ils se trouvaient en bas, dans la vallée. That's what takes to make us appreciate the good things. There's what they call the law of contrast. Voilà ce qu'il faut pour nous faire apprécier les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la loi de contraste. The black man of Africa never knows that he was black, his skin, until he seen David Livingston. And he said, then he realized his skin was black because Livingston's was white. It's a contrast. L'homme noir d'Afrique n'a jamais su qu'il était noir, que sa peau l'était, avant de voir David Livingston. Et il a dit, là, il s'est rendu compte que sa peau était noire, parce que celle de Livingston était blanche. C'est un contraste. You would never know how to appreciate a day if you didn't have a night. You would never know how to appreciate the sunshine if you didn't have a cloudy day. Vous ne sauriez jamais apprécier le jour si vous n'aviez pas la nuit. Vous ne sauriez jamais apprécier la lumière du soleil si vous n'aviez pas de jour nuageux. You would never know how to appreciate righteousness unless you had had some unrighteousness. You would never know how to appreciate good health unless you've had some foul health, some bad health. Vous ne sauriez jamais apprécier la justice s'il n'y avait pas d'injustice. Vous ne sauriez jamais apprécier la bonne santé à moins d'avoir connu une santé délabrée, une mauvaise santé. It's only those, and that's the reason I think that we'll appreciate heaven so much because we've lived on earth once. And I think the law of contrast. Ce ne sont que, et je pense que c'est pour cette raison que nous apprécierons tant le ciel, parce que nous avons déjà vécu sur la terre. Et je pense que la loi de contraste, the reason that we appreciate the Holy Spirit so much tonight is because we lived so long in a church that told us there wasn't such a thing.
The reason we appreciate it tonight because we have had the other side. La raison pour laquelle nous apprécions tant le Saint-Esprit ce soir, c'est parce que nous sommes longtemps restés dans une église qui nous disait qu'une telle chose n'existait pas. La raison pour laquelle nous apprécions cela ce soir, c'est parce que nous avons connu l'inverse. And that's the way God has intended it to be, because his people have had their ups and downs. You never know how to appreciate a mountaintop unless you've been in the valley. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, parce que son peuple a connu ses hauts et ses bas. Vous ne sauriez jamais apprécier le sommet d'une montagne, à moins d'avoir été dans la vallée. And so, you never know how to appreciate good water unless you drink some bad sometimes. And then, you all the way through, it's a law of contrast. Now, Israel was in one of its backslidden states. And what a thing they had done. De même, vous ne sauriez jamais apprécier une bonne eau si vous n'en aviez pas déjà bu une mauvaise. Et puis tout au long, il s'agit d'une loi de contraste. Là, Israël était dans l'un de ses états rétrogrades. Et quelle chose ils avaient faite? Now Israel was a chosen, elected, selected people. That God had chose Israel for one specific purpose, that the blood of Israel should be the cleanest bloodstream. For out of that lineage was going to come the Messiah himself. Or, Israël était un peuple choisi, élu, sélectionné, car Dieu avait choisi Israël dans un but précis. Le sang d'Israël devait être le sang le plus pur, parce que de cette lignée viendrait le Messie lui-même. All down through the Old Testament, God appeared in man. God appeared in Abraham as a faith believer. God appeared in David as a king. He appeared in Joseph as righteousness. He appeared in Moses as prophet, priest, lawgiver. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu est apparu dans l'homme. Dieu est apparu en Abraham, en tant que croyant, ayant la foi. Dieu est apparu en David, en tant que roi. Il est apparu en Joseph, en tant que justice. Il est apparu en Moïse, en tant que prophète, sacrificateur et législateur. He appeared down to the ages in the prophets. He always made himself known in man, in potion, through prophet, king, priest, lawgiver, so forth. But in Christ, he dwelt in him the fullness of the Godhead bodily. And knowing that this spirit must finally find a resting place. Il est apparu à travers les âges dans le prophète. Il s'est toujours fait connaître dans les hommes, en partie par les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les législateurs, ainsi de suite. Mais en Christ, il a habité en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que cet esprit devait finalement trouver un lieu de repos. On Elijah, he was a man of God's justice. He played out the justice of God. And Moses, he was the lawgiver that you told the marker, get out. And all these things God represented. But when he came to Christ, he was perfect. The entire fullness of the Godhead bodily rested in Christ. Élie, c'était un homme de la justice de Dieu. Il a proclamé haut et fort la justice de Dieu. Et Moïse, lui, était un législateur. Soit vous vous conformez au mot d'ordre, soit vous partez. Dieu s'est représenté dans toutes ces choses. Mais quand il est venu en Christ, il était parfait. Toute la plénitude de la divinité corporellement reposait en Christ. And God represented himself once in the fullest beforehand, in the book of Genesis, in the order of Melchizedek, who had no father, no mother. No beginning of days or ending of years or ending of life. Et Dieu s'est déjà représenté lui-même auparavant dans la plénitude, dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek,
qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année, ni fin de vie. And he was a priest, the king of Salem, a priest of God, of the Most High God, who was without beginning or without ending. He was none other than the prefigure of the Lord Jesus Christ. Et il était un sacrificateur, le roi de Salem, un sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, qui n'avait ni commencement ni fin. Il était nul autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Because he was the king of Salem, which is the king of peace, which is the king of Jerusalem. And he was in priest figure, even the patriarch Abraham paid tithe to him. He was a prefigure of the coming of the Lord Jesus. Car il était le roi de Salem, qui est le roi de paix, qui est le roi de Jérusalem. Et il l'était par une préfiguration. Même le patriarche Abraham lui a donné la dîme. Il était une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus. The same Melchizedek met Abraham out on the plains before the destroying of Sodom and Gomorrah. And he met him after Sodom and Gomorrah, when Abraham paid him a tithe of all the spoil that he had taken from the king. Le même Melchisédek a rencontré Abraham là-bas, dans les plaines, avant la destruction de Sodome et Gomorre. Et il l'a rencontré après Sodome et Gomorre, quand Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait pris au roi. All these things, the shadows, typed up to Christ. And now all the shadows of the Old Testament saints, their ups and downs, was a shadow and type and example for us today. Toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, étaient une ombre et un type, des exemples pour nous aujourd'hui. Now we find that Israel was not to mix marriage. Their marriage was to be among one another. Not no Israelite to ever marry a Gentile, but was to keep their bloodstream clean. And even till this day, I believe the Jewish bloodstream is the cleanest bloodstream on the face of the earth today, is the Jews. Alors, nous voyons qu'Israël ne devait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Un Israélite ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Et même jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur sur la face de la terre aujourd'hui. C'est le sang juif. They're still looking for that Messiah. But we know that he has already come, and their eyes were blinded that we could have a chance of repentance through Christ. Ils sont toujours à la recherche de ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu, et leurs yeux étaient aveuglés, afin que, par Christ, nous ayons une chance de nous repentir. Now, during the time of the reign of Ezra, the children of Israel had become backslid. They had went out and got the Moabite women, and they had got the women of the Amorites, the Persianites, and many of the other nations. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites, et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens et de bien d'autres nations. And had not only had married them, but was committing fornication among them, uncleansing it, and polluting the very bloodstream which is the life stream. Et non seulement avait-il épousé ces dernières, mais il commettait fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie. And what a picture that is today of our churches, the way they're falling away from the old-fashioned viewing line that God laid down for the church, the precepts that we were to live by. The church is committing fornication with the world. It's got out into the world and began to dally in the world. Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui,
la manière dont elle s'éloigne de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'Église. Les préceptes selon lesquels nous devrions vivre, l'Église est en train de commettre fornication avec le monde. Elle est allée dans le monde et s'est mise à flirter avec le monde. Now, this had embarrassed the prophet so much till when he came before God, he blushed in his face. The first one he heard about, and he seen the moral decay of his people, it hurt him so bad, until he sat down and anointed himself, plucked his hair out and his beard out, and was heavy-hearted before the Lord in prayer. Alors, cela avait tellement mis le prophète dans l'embarras que lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela pour la première fois et qu'il a vu la déchéance morale de son peuple, cela l'a tellement blessé qu'il s'est assis et s'est oint. Il s'est arraché les cheveux et la barbe. Et il avait le cœur gros lorsqu'il était devant le Seigneur en prière. Then when the evening sacrifice was offered, he went into the temple and fell on his knees and blushed before God for the sins of the people. Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple et est tombé à genoux et a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Now he didn't blush for the scarlet streak of the red light district. He didn't blush for the booze drinkers in the hellholes, although as bad as it may be, but he blushed because the sin of the elect. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier des prostituées qu'il a rougi. Ce n'est pas à cause des ivrognes dans les lieux malfamés qu'il a rougi, quoique ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. And what we need today is some more prophets with enough God in their heart to blush in the presence of God for the sins of the people who call themselves the people of God and doing the way they're doing. What a disgrace we brought to this place. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage de prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte. The morals of our people, this is not an easy subject to speak on. I could think of many things that were easier to speak on. La moralité de notre peuple, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je pourrais penser à beaucoup d'autres sujets qui seraient plus faciles à aborder. But brother, if somebody don't stand out in this sinful adulterous day that we live in and call the colors, what's going to happen? Somebody has got to speak the thing. Somebody's got to place it before the people. Mais frère, si quelqu'un ne prend pas position en ce jour de péché et d'adultère dans lequel nous vivons, pour appeler les choses par leur nom, qu'arrivera-t-il? Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un présente ça aux gens. Perhaps Ezra didn't want to do it, but it was in his heart. And when you see a servant of God get so sincere, so he's on his face, with his hands in the air, praying to God and blushing because the iniquity of the people, then you're going to see a revival start. Peut-être qu'Esdras ne voulait pas le faire, mais c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère qu'il tombe sur sa face, les mains levées pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. A man cannot lay in the presence of God. A church cannot stay in the presence of God under repentance unless the Holy Spirit comes down and gives unction and power to start a move of God in that among those people. Just got to be.
Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu, sous l'effet de la repentance, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là, parmi ces gens. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Montrez-moi un homme, montrez-moi un autre Calvin, un autre Knox, un autre Finney, un autre Sankey, ou tous ceux qui ressentent le fardeau des gens et qui pleureront et prieront devant Dieu, la face contre terre. Send us a John Smith of the Baptist Church again, who pray all night for the iniquity of the people until his eyes would be swelled shut the next morning from weeping, till his wife would lead him to the table and feed him his breakfast out of a spoon. Show me a John Wesley again, a firebrand, that's from the Bible. I'll show you a revival. Envoyez-nous de nouveau un John Smith de l'Église baptiste qui avait prié toute la nuit à cause de l'iniquité des gens, au point d'en avoir les yeux bouffis le lendemain matin, à force d'avoir pleuré, si bien que sa femme a dû le conduire à table et lui donner son petit déjeuner à la cuillère. Montrez-moi de nouveau un John Wesley, un tison arraché au feu, et je vous montrerai un réveil. What we're doing today, we're patting it on the back. We're calling it this and that and a revival when there's no revival to it. That's right. There's a stirring of emotion, of religion among the people, but no revival. They had a religious group in that day. They had a stirs in that day. But they needed a revival. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est flatter la chose. On dit que c'est ceci ou cela, que c'est un réveil, alors qu'il n'y a pas de réveil là-dedans. C'est vrai, il y a une stimulation des émotions religieuses parmi les gens, mais pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux à cette époque-là. Ils avaient de la stimulation à cette époque-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. The morals of this nation has become so low till it would make a dog ashamed. It would make a hound blush if it could do so. The immorals of our people. Eh bien, mon cher frère et ma chère sœur, la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte. Un chien en rougirait s'il le pouvait. L'immoralité de notre peuple. Years ago, the things that we have, the nation has done, the things that the people has done, it's all the lack of prayer. Les gens, il y a même quelques années, les choses que nous avons, que la nation a faites, les choses que les gens ont faites, tout cela, c'est à cause du manque de prière. The church that used to didn't believe in picture shows. They wouldn't let their children go to picture shows. They would shun picture shows. And today, why, they even have, they have the picture show in their own house. Every house has a television. Autrefois, l'Église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient d'aller au cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a une télévision. In the place where they used to think it was wrong to drink beer. In the place where they used to think John Barleycorn, what a great honorary fellow he was. Là où autrefois on croyait que c'était mal de boire de la bière. Là où autrefois on pensait John Barleycorn, quel type vraiment vilain il était. Take a social drink at least once a year. Then they get on a big spree around Christmas when they have their celebration because they have adopted education to take the place of salvation
It'll never do it. Aujourd'hui, 60% de ces prétendus chrétiens prennent un petit verre en société au moins une fois par an. Puis, c'est la beuverie aux alentours de Noël, lors de leurs festivités. En effet, ils ont adopté l'instruction pour remplacer le salut. Ça ne le remplacera jamais. What we need is a revival. We put corn plasters on, take them off, and another corn plaster, and take it off, and still find the pain is there. What we need today is not social regeneration. It's not intellectual talks. What we need today is an old-fashioned, God-sent blood transfusion from heaven. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. On met des pansements pour corps, puis on les enlève. Un autre pansement pour corps, on l'enlève. Et l'on remarque que la douleur est toujours présente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une régénération sociale, ni des discours intellectuels. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une transfusion de sang à l'ancienne mode, envoyé par Dieu depuis le ciel. The corn plasters won't do no good. We are anemia. Amen. We need a blood transfusion. Amen. We need to come back to the old fashioned gospel that calls out for repentance before God. Les pansements pour corps ne serviront à rien. Nous sommes anémiques. Il nous faut une transfusion de sang. Il nous faut revenir à l'évangile, à l'ancienne mode, qui appelle à la repentance devant Dieu. Non pas une confession faite d'un œil sec, par une poignée de main, mais bien un réveil du Saint-Esprit envoyé par Dieu, qui apporte la purification par le sang du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. We need a revival to start in the church and sweep the nation across. We'll die, we'll perish, we are gone without that type of revival. Amen. Il nous faut un réveil qui commence dans l'Église et qui balaye tout le pays. Sans ce genre de réveil, nous mourrons, nous périrons et nous sommes fichus. Hollywood revival, so-called, where people come in and get emotionally stirred up for a couple of hours and or a day or two or a week or two and go out and that's all of it. J'en ai assez de voir ces prétendus petits réveils de Hollywood où les gens entrent là et se laissent emporter par leurs émotions pendant quelques heures ou un jour ou deux ou une semaine ou deux. Puis ils sortent de là et ça s'arrête là. Worked up by revival. You can have emotion. You can have good intentions. All those things are fine. But we don't need that today. Frère, vous pouvez être dans un emballé par un réveil. Vous pouvez avoir des émotions. Vous pouvez avoir de bonnes intentions. Toutes ces choses sont bien. Mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. We need a baptism of the Holy Spirit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions, l'intellect, les points de vue, les habitudes et la vie des gens, pour les remettre de nouveau sur le bon chemin. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. We don't need a UN. We have a UN there and what they do? God's name's never called. They're afraid to call it. It was once asked by the clergy group, why didn't they have prayer? They said it might offend somebody else, one of the others who didn't believe in God. Nous n'avons pas besoin d'une ONU. Nous avons une ONU là-bas. Et que font-ils? On n'y invoque jamais le nom de Dieu. Ils ont peur de l'invoquer. Un jour, un groupe d'ecclésiastiques a posé la question « Pourquoi ne font-ils pas de prière ?» On leur a répondu «
cela pourrait offenser quelqu'un d'autre, l'un de ceux qui ne croient pas en Dieu. Oh, what we need is a revival! Don't make a difference who it offends, we got to preach the gospel and call our colors for it. Right? I wouldn't give you a dime for any program that left God out of it. Whether it's a UN or a Big Four or whatever it might be. Oh, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Peu importe qui cela pourrait offenser, nous devons prêcher l'Évangile et montrer ce qui est en nous. C'est vrai, je ne vous donnerai pas le moindre sou pour tout programme qui exclut Dieu, que ce soit l'ONU ou un conseil des quatre, peu importe ce que c'est. Until this nation wakes up to the place that we're dying without the blood of the Lord Jesus Christ. Until individuals wake up to the call that we're dying, the reason we are dying is without the original, the way, the remedy, the cure that God gave us at Calvary. Tant que cette nation ne prend pas conscience du fait que sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mourons. Tant que les individus ne prennent pas conscience de la cause, que nous sommes en train de mourir. La raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, c'est parce qu'il nous manque l'original, le chemin, la solution, le remède que Dieu nous a donné au calvaire. Oh, wonder it makes a man blush. No wonder a real true preacher look upon his congregation and try to lead them before the throne of God and visit their homes and find them smoking cigarettes, telling dirty jokes to each other, entertaining in the backyard with beer parties, walking around on the streets their young women and middle-aged and so forth, and even grandmother with little shorts on. Pas étonnant que cela fasse rougir un homme. Pas étonnant. Un vrai, un véritable prédicateur examine son assemblée, essaie de conduire les membres devant le trône de Dieu. Il les visite chez eux et les voit en train de fumer la cigarette, de se raconter des plaisanteries grossières, de donner des réceptions dans la cour de derrière, des beuveries. Elles marchent çà et là dans les rues. Leur jeune femme est celle d'un certain âge, et ainsi de suite. Et même grand-maman porte des petits shorts. Mother out on the street with a baby on one arm, dressed sexy enough to attract the attention of any bootlegger that walks the street, and calling themselves Christians, it'll make any true man of God blush to bring such a person in the presence of God. Right? Maman est là, dans la rue, un bébé dans ses bras, habillée de façon assez sexy pour attirer l'attention de n'importe quel contrebandier d'alcool qui se promène dans la rue. Et ces gens prétendent être chrétiens. Amener une telle personne dans la présence de Dieu ferait rougir tout véritable homme de Dieu. C'est vrai. And all of our joining church and getting a better class has come to nonsense and it did in that day and it will this bring us back to God, not with an injection of education, not with an injection of religious reformation, not in the injection of some kind of man-made theology. Et le fait d'adhérer à l'Église et d'avoir une meilleure classe de gens, tout cela est devenu si ridicule. Il en était ainsi à cette époque-là, et il en sera ainsi aujourd'hui. Retournons à Dieu. Non pas par une injection d'instruction, non pas par une injection de réforme religieuse, non pas par l'injection d'une théologie quelconque faite de main d'homme. Mais par un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu depuis le ciel, au moyen d'une expérience pentecôtiste qui consume les choses charnelles. Elle remettra à l'intérieur le joyau qui était destiné par Dieu à être là, celui d'un fils et d'une fille de Dieu. Sexy-looking women and men drinking, smoking, and call themselves Christians.
because they don't know no better. And their heart, that very root of carnality, lays there. And we need a church cleaning up from the basement to the pulpit. Amen. Amen. And that's right. Tant que nous n'aurons pas fait ça, frères et sœurs, nous aurons toujours ces femmes sexy, aux cheveux coupés, qui portent du maquillage, et des hommes qui boivent, qui fument, et se disent chrétiens. Et c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. En effet, dans leur cœur se trouve cette racine charnelle, et il nous faut un nettoyage de l'Église, du sous-sol jusqu'à la chair. Amen. C'est exact. What we needed is some blushing prophets. God, sometimes people come to the prayer line to be prayed for. Looks like they're going to a house of ill fame. Right? Coming to ask God for something looking like a Jezebel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prophètes qui rougissent. Dieu, parfois les gens viennent dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux. Et ils ont l'air d'aller dans une maison malfamée. C'est vrai. Elles viennent demander quelque chose à Dieu et ont l'allure d'une Jézabel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un grand ménage et quelque chose qui fait chaud au cœur. Des prophètes de Dieu qui se tiendront à la chair pour dénoncer ces choses, dire ce qui est bien et ce qui est mal, et prêcher l'Évangile sans faire de compromis, si bien que les pécheurs tombent par terre et pleurent jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans leur vie. Amen. Nous savons que c'est vrai. C'est vrai. I preached here not long ago and said that every woman in this city was guilty in one way or the other of adultery. They are. The women go downtown here and you can hardly buy a dress unless it's sold like they was poured in. I'm not here to, this is my own church. I would like to preach what the Holy Spirit tells me. Right. J'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit que toutes les femmes de cette ville sont, d'une manière ou d'une autre, coupables d'adultère. Elles le sont. Les femmes se rendent ici, au centre-ville, et c'est à peine si elles peuvent s'acheter une robe sans qu'elles aient l'air d'avoir été versées là-dedans. Je ne suis pas ici pour... Il s'agit de ma propre église. J'ai le droit de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. C'est vrai. Let me tell you, I'm not criticizing you, my sister. But don't the Holy Spirit teach you different? If it doesn't, I'm afraid you didn't get the Holy Spirit. Right. Permettez-moi de vous dire ceci. Je ne vous critique pas, ma sœur. Mais le Saint-Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Si ce n'est pas le cas, je regrette de vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. The Holy Spirit's not shouting. The Holy Spirit's not dancing in the Spirit. The Holy Spirit's not speaking in tongues. The Holy Spirit is righteousness. God give us a Holy Ghost revival of God set righteousness. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de danser par l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la justice. Ô Dieu! Donne-nous un réveil du Saint-Esprit, de la justice envoyée par Dieu. Did you realize that when you dress yourself like that and walk down the street and man looks at you in the wrong way, that at the judgment you may be as pure as a lily before your husband, but at the judgment you'll be guilty of committing adultery with the guy that you presented yourself to? Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous habillez comme ça et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent de la mauvaise manière, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys devant votre mari, mais au jugement, vous serez coupable d'avoir commis un adultère,
avec le type devant lequel vous vous êtes exhibé. Pas étonnant que cela fasse rougir quelqu'un. Pas étonnant. Quel effet cela a-t-il sur Dieu, alors que la Bible déclare qu'au commencement, il s'affligeait d'avoir créé l'homme. Lorsqu'il a posé son regard sur les gens au jour qui précédait la destruction antédiluvienne, le cœur de Dieu était affligé d'avoir créé l'homme. What happened? The sons of God saw the daughters of man was there. It was a perversion. It was a sex mix-up. It was that thing that drove the children of God from the Garden of Eden. It was that thing that drove God's judgment to bring peace upon the earth. Que s'était-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était une perversion. C'était un désordre sexuel. C'est cette chose-là qui avait chassé les enfants de Dieu du jardin d'Éden. C'est cette chose-là qui avait provoqué le jugement de Dieu pour rétablir la paix sur la terre. It was that thing that caused them to destroy. It was that same mixing up between women and men. C'est cette chose-là qui avait causé leur destruction. C'était ce même désordre entre les hommes et les femmes qui avait fait que Sodome et Gomorre soient envoyés au fond de la mer morte. Cela avait été annoncé par les prophètes. Cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus que ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même avant la venue du Fils de Dieu. Nous regardons à ce jour-ci et nous voyons que l'Église ne prend pas exemple sur la Bible, sur Ruth et sur Naomi, sur Sarah et les personnages de la Bible. Mais ils prennent exemple, et c'est le cas des femmes de l'Église, sur Hollywood et les influences même du diable. How that our people who call themselves Christians go out there and get this evil man's ways, these records of Elvis Presley, or what his name is, one of the most deluded et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. And listen to them kind of nonsense on your radios and refuse to hear the gospel sermons preached in the Bible? God have mercy on you. What kind of a spirit have we got among us? That is right. Arthur Godfrey et ces gens-là, et vous écoutez ces absurdités à la radio, et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai. Pas étonnant que le prophète de Dieu ait rougi devant le Seigneur. Il savait que c'était de l'iniquité. Et il s'est tenu là et a plaidé la cause. Et a dit à Dieu, « Nous sommes injustes. » And we are friends until we can come back to that spot of a blood transfusion. Quit trying to put on plasters. Quit trying to put on some salve. The healing can't come unless the bloodstream dries. Et nous le sommes, mes amis, jusqu'à ce que nous puissions retourner à ce point-là où il y a une transfusion de sang. Cessez d'essayer de mettre des pansements. Cessez d'essayer de mettre du baume. La guérison ne viendra pas
à moins que la circulation sanguine soit bonne. Voilà pourquoi les gens ont le diabète. Si un diabétique se coupe, sa plaie ne guérira probablement jamais. Pourquoi? Parce que les véritables globules rouges ont été rongés. L'église tout entière est devenue diabétique. Et à la moindre petite coupure, plutôt que de continuer à marcher, vous la grattez. Elle ne peut pas guérir. L'égoïsme, l'avidité, l'immoralité et toutes ces choses qui figurent dans les annales comme étant des méfaits selon Dieu. Voilà les habitudes que l'Église est en train d'adopter. Men, drinking, smoking, telling dirty jokes, women, cutting their hair, wearing makeup, doing all kinds of things, dressing themselves immorally, the face of people. Les hommes boivent, fument et font des plaisanteries grossières. Les femmes se coupent les cheveux, portent du maquillage, font toutes sortes de choses et s'habillent de façon immorale pour se présenter devant les gens. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à entendre. C'est dur, en effet, mais c'est la vérité. Si nous n'annonçons pas haut et fort les jugements du Dieu Tout-Puissant, un de ces jours, vous serez pris ici dans une explosion atomique qui enverra chaque âme dans l'éternité pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang de son Fils, Jésus-Christ. Mon conseil, vous voir venir sous le sang. Le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en règle avec Dieu. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir la foi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir de plus grande guérison que celle que nous avons? Pourquoi ne sommes-nous pas solidement bâtis? C'est parce que nous mettons des pansements pour corps. C'est parce que nous appliquons de l'adhésif. Nous mettons des morceaux de sparadrap. We are trying to cover the thing up instead of saying we need a transfusion. Amen. We're without blood. We're without Christ. Nous essayons de couvrir la chose au lieu d'admettre qu'il nous faut une transfusion. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes dépourvus de Christ. Ne vous y laissez pas prendre. Ne laissez pas le diable vous donner une tape amicale sur l'épaule et dire « Eh bien, je vais à l'église ». Le diable y va, lui aussi, c'est vrai, il y est allé certainement. Il s'est présenté devant Dieu. Il est allé à l'église, là, dans le ciel. Il est venu devant le trône de Dieu, avec les fils de Dieu, et s'est assis avec eux. Il a eu une audience avec Dieu. Il a dit, d'où viens-tu? Il a dit,
de parcourir la terre et de m'y promener. C'était là qu'il était. So the devil goes to church. The devil belongs to church. The devil acts like a Christian. He's a deceiver. If he didn't act like a Christian and act like a church, he wouldn't be a deceiver. Amen. No man can be deceived or anything is different than black and white. It's contrary to one another. Alors, le diable va à l'église. Le diable est membre de l'église. Le diable agit comme un chrétien. C'est un séducteur. S'il n'agissait pas comme un chrétien, ni comme une église, il ne serait pas un séducteur. Aucun homme ne pourrait être séduit. La seule chose, c'est que c'est aussi différent que le blond lait du noir. Ils sont contraires l'un à l'autre. Mais la Bible dit, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Cet esprit dans les derniers jours. Nous y sommes, mes amis. Il est temps pour les prophètes de Dieu, ô frères, pour les prédicateurs, si on le dit ainsi, dans tout le pays, de tomber sur leur face. Eh bien, même s'il y a 19 millions d'églises baptistes, 19 millions de baptistes plutôt en Amérique, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens, 10 millions de presbytériens. Miséricorde, pensez-y. And constantly, the ball game, the amusement, and on Wednesday night, and sometimes on Sunday night, they home to listen to the television and the radio of old jug gags and jokes they pull from Hollywood. You're so rolling on that kind of stuff. Ils vont constamment au match de baseball, au lieu de divertissement. Et le mercredi soir, et parfois le dimanche soir, ils restent à la maison pour écouter la télévision et la radio, ces espèces de petites railleries et de plaisanteries, toutes tirées de Hollywood. Votre âme se vautre dans ce genre de choses-là. Alors, que vous devriez plutôt avoir votre Bible ouverte là, quelque part, et vous prosterner devant Dieu, à genoux, priant pour les péchés du pays. And I'm guilty with you. I have made my mind up by the help and grace of God. If God will give me strength to do it, I'm determined to press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. So death shall set me. Et tout comme vous, je suis coupable. J'ai pris ma décision avec l'aide et la grâce de Dieu. Si notre Dieu me donne la force de le faire, je suis décidé à courir vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, jusqu'à ce que la mort me libère. Que Dieu soit mon aide pour que j'y arrive. Aide-moi. Voilà ma prière. En voyant les œuvres et en voyant les choses que j'ai vues et que vous avez vues, on traîne les pieds et on devient spirituellement anémique. Et ce tabernacle qui est connu dans le monde entier, ce petit endroit en bloc de béton situé au coin de la rue, Dieu vous a élevé devant la nation, c'est vrai. Je pense à David,
à ce qu'il a dit un soir. « Me voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de mon Dieu habite au milieu d'une tente. » Il a déclaré, « Je lui bâtirai une maison. » Le prophète Nathan a répondu, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Cette nuit-là, Dieu est apparu à Nathan et a dit, « Da, va dire à David, « Qui étais-tu, David ? Tu étais, je t'ai pris au pâturage, où tu t'occupais des brebis. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands de la nation. » Qui était-ce dans ce petit tabernacle situé ici? Un vieux bâtiment démodé et rejeté, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, si bien que même la ville de Jeffersonville et les gens qui viennent avaient du mal à le localiser. Et aujourd'hui, Dieu, par sa miséricorde, vous a pris et a fait de vous un grand peuple. À Bombay, en Inde, on sait où se situe ce tabernacle. À Durban, on vous connaît. Tous ces autres pays. En Afrique, on sait où se situe cet endroit. India, Germany, England, Finland, Sweden, Europe, Asia. They all proclaim down in the islands, Zion. And down in there, they know all about it. And God has made us an example to the people. En Inde, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande, en Suède, en Europe, en Asie, tous ces gens, jusqu'aux îles de la Thaïlande et dans ces endroits reculés, ils sont tous au courant. Et Dieu a fait de nous un exemple pour les gens. Et dire qu'après que Dieu a fait cela, nous faisons demi-tour pour traînasser avec les choses du monde et devenons très anémiques spirituellement. Eh bien, nous devrions être le phare qui se tient là, sur une colline, une lampe qui ne peut être cachée. Ô Dieu, je suis tout aussi coupable que vous. Ce que je veux dire, c'est que je veux une repentance à l'ancienne mode, envoyée par Dieu, et un appel à revenir à Dieu, afin que les hommes et les femmes qui franchiront cette porte en béquille sortiront d'ici sans elle. Lorsqu'on amènera les aveugles par cette porte, ils sortiront d'ici en ayant recouvré la vue. Lorsque les sourds entreront ici sourds, ils sortiront d'ici en ayant recouvré l'ouïe. Lorsque les pécheurs entreront ici, noircis et salis par le péché, ils sortiront d'ici lavés dans le sang de l'agneau. Ne pouvons-nous pas faire cela? Dieu a appelé Israël et a fait d'eux un exemple. Dieu nous a appelés et a fait de nous un exemple. Mais nous avons laissé tomber Dieu. Et cela nous fait rougir dans la présence de Dieu. The things that he's done for us. How he's lifted us up from the sheep coat.
how he's made us known in all the world. How he's done the great thing for us. De penser aux choses qu'il a faites pour nous. Comment il nous a pris des pâturages et nous a élevés. Comment il nous a fait connaître partout dans le monde. Comment il a fait de grandes choses pour nous. And yet we still exactly hang around and go out and we're not seen to be sincere. We don't have prayer anymore. Things just don't like going right. And we're trying to put on little programs. Corn plasters to ease the pain. You can't ease the pain until you get good rich blood in there to heal the pain. Right? Et pourtant, nous traînassons, nous nous mêlons à tout ça, nous sortons et nous n'avons pas l'air d'être sincères. Nous n'avons plus de moments de prière et les choses vont simplement de travers. Nous essayons d'organiser de petits programmes, des pansements pour corps, afin de soulager la douleur. Vous ne pouvez pas soulager la douleur à moins d'avoir ce sang bon et riche là pour guérir la chose. C'est exact. You cut an old corn out and you'll get yourself a diabetes and take your foot off. Don't try to dismiss this and bypass this and cut a corn plaster on this. But the thing to do is come straight out before God and say, God, I am anemia and I need your blood to cleanse me from all my sins. That's my prayer. Trust that it's yours. Si vous retirez un vieux corps par excision et que vous vous retrouvez avec le diabète, ça vous fera perdre votre pied. N'essayez pas d'écarter ceci, ni de contourner ceci, ni de mettre un pansement pour corps sur ceci. Mais la chose à faire, c'est de venir directement devant Dieu et dire « Oh Dieu, je suis anémique et j'ai besoin que ton sang me purifie de tous mes péchés. » C'est ma prière et j'espère que c'est la vôtre. Think of these things, friends. One of these days, it's just as apt to happen before daylight in the morning as it is to happen 50 years from today. One rocket bomb, one of those cobalt or hydrogen bombs, because the whole nation is on an alert. Réfléchissez à ces choses, mon ami. Un de ces jours, cela est tout autant susceptible de se produire le matin avant l'aube que dans 50 ans. Une bombe roquette, une de ces bombes au cobalt ou à hydrogène pourrait. La nation entière est sur le qui-vive. You see in the paper of the day where they're requiring science, the Pentagon to answer the flying saucers. It was a myth. It was something it imagined. Vous avez vu cela l'autre jour dans le journal, là où on demandait à la science, au Pentagone, d'expliquer les soucoupes volantes. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas quelque chose d'imaginaire. It was real. It was an intelligence. They flew in battle formation. They could stop, they could start, they could spot, they could tell. It was an intelligence. They do it. The people laugh. They said flying soldiers made a fun out of it. C'était réel, c'était une intelligence. Elle volait en formation de combat. Elle pouvait s'arrêter, elle pouvait se mettre en marche, elle pouvait s'arrêter. Ils pouvaient le voir. C'était une intelligence. Ils le savent. Les gens ont ri, ils ont dit « des soucoupes volantes ». Ils se sont moqués de cela. But you know what I'm thinking? Jesus said, before he comes, there will be signs in the heaven above. Did you notice before he started and destroyed Sodom and Gomorrah because of their sex affairs? He sent angels down to investigate it. Mais savez-vous à quoi je pense? Jésus a dit qu'avant sa venue, il y aura des signes en haut dans le ciel. Avez-vous remarqué? Avant de commencer, avant qu'il détruise Sodome et Gomorre, à cause de leur liaison perverse, il a envoyé des anges pour faire une enquête. Come to the earth in the last few years. They've been seen among people. I mean, honest, drug-washed people who know this. They've even stood and had their pictures taken. Right. Des anges sont descendus sur la terre au cours des quelques dernières années. On les a vus parmi les gens.
Je parle d'honnêtes gens lavés dans le sang et qui en sont conscients. Ils se sont même tenus là et se sont fait photographier. C'est vrai. Des êtres angéliques ont fait une visite et ils ont rapporté au Père que le péché s'est tellement accumulé que les étoiles arrivent à peine à briller. La lune, le monde entier vacille tel un homme ivre qui rentre la nuit. C'est vrai. Le péché parmi les chrétiens, parmi les élus, ils ont vendu leur droit d'aînesse pour la popularité. Le ministre a échangé l'évangile contre une rencontre sociale. Il a échangé l'évangile à l'ancienne mode, lavé par le sang, pour faire un discours intellectuel aux gens, pour prêcher des choses intellectuelles et parler de faits de société. Alors, il fait un mauvais usage de l'évangile. Many of them has went out into the fields of preaching and used the gospel for personal gain, to make money. Many of them have got big farms and cars and things that they never would have had. Personal gain, not all. I'm thankful that there's still a remnant. Bon nombre d'entre eux sont allés sur les champs de mission pour prêcher. Et ils ont fait usage de l'évangile à des fins personnelles, pour se faire de l'argent. Bon nombre d'entre eux possèdent de vastes granges et des voitures, des choses qu'ils n'auraient jamais possédées, des avantages personnels. Ce n'est pas le cas pour tous. Je suis reconnaissant qu'il y ait encore un reste. In the days of Ezra, when Ezra began to weep and to call out and to rebuke the sin, you know what happened? À l'époque d'Esdras, quand Esdras s'est mis à pleurer et à dénoncer et à réprimander le péché, savez-vous ce qui s'est passé? Tous les élus qui ont fait confiance à Dieu se sont réunis autour de lui. That's right, it's time to call out and say which is which. Separate right from wrong. God grant you that we'll have the courage to do it. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes. Que vos prédicateurs prêchent dans ces églises-là, qu'ils appellent le péché, péché, et qu'ils réprimandent cela. Le véritable peuple de Dieu se réunira autour de vous et restera avec vous. C'est vrai. Il est temps de dénoncer et d'appeler les choses par leur nom, de faire la distinction entre le bien et le mal. Ô Dieu, accorde-le-nous pour que nous ayons le courage de le faire. Just think what could happen. As I was telling you, I believe this morning, I heard someone say it, that upon one of these watchers that's watching, I forget what you call it now, for the bomb, the planes to come. Pensez simplement à ce qui pourrait arriver. Comme je vous le disais ce matin, je crois, ou plutôt, j'ai entendu quelqu'un le dire, que sur un de ces guetteurs qui est aux aguets, j'oublie comment on appelle ça maintenant, qui guette les bombes ou les avions à venir. Not long ago, there was a program come through somewhere that they called out the big fleets with 300 jet bombers with atomic bombs and hydrogen bombs hanging under. Il n'y a pas longtemps, une émission avait été diffusée quelque part, où il était dit qu'on avait fait sortir les grandes flottes avec 300 bombardiers à bord, sous lesquels étaient suspendues des bombes atomiques et des bombes à hydrogène. Not long ago,
He said, we got atomic bombs hanging right in the hangars. I said, aren't you in the planes, and we go up and practice with them daily. Il n'y a pas longtemps, au grand aéroport de Shreveport, un des garçons a été converti là-bas lors de la série de réunions chez frère Jack. Il a dit, « Nous avons des bombes atomiques qui sont suspendues dans nos hangars. » J'ai dit, « N'avez-vous pas dans les avions, et nous décollons et faisons nos entraînements avec tous les jours. » J'ai dit, n'avez-vous pas peur? Il a répondu, elles n'ont pas de détonateur. Toutefois, on est tellement sur le qui-vive qu'en l'espace d'une minute, 60 secondes, on peut mettre les détonateurs en place et partir. Et les avions sont ravitaillés en carburant et prêts. Alors, ils pourraient s'envoler vers l'Angleterre tout de suite. De grands hangars sont installés dans les océans, partout. Et on dit à la Russie, osez larguer une seule bombe. Larguez une seule bombe atomique sur l'ONU ou quelque part là-bas, et vous verrez ce qui va arriver. Que se passera-t-il? Il y aurait une attaque massive contre la Russie. Et si on faisait cela, et qu'on se mettait à larguer ces bombes atomiques et ces bombes à hydrogène, ça provoquerait une réaction chaîne qui brûlerait la terre jusqu'à la mèche. Elle se dissoudrait. Vous savez, cela ne serait pas du tout en contradiction avec les Écritures, car la terre sera consumée et les cieux aussi. Les atomes de la terre brûleront. Nous vivons à une époque dangereuse. Nous vivons à une époque où les hommes du monde sont morts de peur. Les grands hommes, ils ont peur. Ils se demandent qui fera sauter cette première bombe. Une fois que la première bombe explosera, ce sera là la mobilisation partout. Ce devrait être le temps le plus heureux qu'il y ait jamais eu pour le chrétien. Les temps vont changer, les vieux vont devenir jeunes. Oh là là, la mort va disparaître, il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de réunion de prière pour les malades. Il n'y aura plus de réunion de prière pour les perdus. Dieu viendra chercher les élus des quatre vents de la terre et les rassemblera sous ses propres ailes. Et nous vivrons et régnerons avec lui pour toujours dans son ciel. Oh, brother, sister, friend of mine, if you're not prepared tonight, may you be prepared at this hour. I give you an invitation to come to Christ Jesus tonight and receive. Oh, mon frère, ma sœur, mon ami, si vous n'êtes pas préparé ce soir, puissiez-vous l'être en cette heure-ci. Je vous invite à venir à Jésus-Christ ce soir et à recevoir. You that have been different, you that know that you are not where you should be with God, I invite you to the altar with myself. I invite every one of you to come here and not only to save, but to stay here
until God has cleansed your soul from everything that's unlike Him, until you can go out of here a new person. Vous qui êtes différent, vous qui savez que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec Dieu, je vous invite à venir à l'autel avec moi. J'invite chacun de vous à venir ici, et pas seulement pour dire des mots, mais pour rester ici jusqu'à ce que Dieu ait purifié votre âme de tout ce qui n'est pas comme lui, jusqu'à ce que vous repartiez d'ici une nouvelle personne. Not with a corn plaster, but go out of here with a blood transfusion that purifies your blood and gives you new life and new hope. Go out with the baptism of the Holy Spirit. Ne repartez pas d'ici en ayant sur vous un pansement pour corps, mais repartez avec une transfusion de sang qui purifie votre sang et qui vous donne une nouvelle vie et une espérance nouvelle. Repartez avec le baptême du Saint-Esprit. Go out, not shouting, not dancing, not so much. Them things are all right. They all belong in the church, they all belong in the Bible. But what I'm talking about is the Holy Spirit, God's love. Repartez, non pas en criant, non pas en dansant, non pas. Ces choses-là sont très bien. Elles ont toute leur place dans l'Église. Elles ont toute leur place dans la Bible. Mais ce dont je parle, c'est du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. A young man was talking to me the other day. His mother, a dear woman. I know the woman that wants to Christ. And she said, oh honey, to her boy, come here, I want you to look. I have the oil in my hands. Well, I have too. It's where I've been sweating. Un jeune homme me parlait l'autre jour. Sa mère, une chère femme. Je connais cette femme. Je l'ai rencontrée une ou deux fois. Et elle a dit, « Oh, chérie, a-t-elle dit à son garçon, viens ici. Je veux que tu regardes. J'ai de l'huile dans la main. Eh bien, j'en ai aussi. C'est là que j'ai transpiré. » And the boy looked at his mother and said, Mother, I want to ask you something. She is wanting to pray that she'd have a closer walk with God. Bon, elle a dit, j'ai de l'huile dans la main. Elle a dit, que penses-tu de cela? Et le garçon a regardé sa mère et il a dit, Maman, je veux te demander quelque chose. Elle voulait qu'il prie. Elle voulait qu'il prie pour qu'elle ait une marche plus rapprochée avec Dieu. He said, when the oil come in your hand, did it take away all your condemnation? Did it give you a sweet experience with God? Well, no. Said, then I'd leave it alone. That's it. Il a dit, quand l'huile est apparue dans ta main, cela t'a-t-il débarrassé de toute ta condamnation? Cela t'a-t-il donné une douce expérience avec Dieu lorsque l'huile... Non. Il a dit, alors, à ta place, je laisserai cela de côté. Voilà tout. The world, the educated so-called world, the denominational world, is looking for some great solution that they can embed their denomination and get more members into it, a million more people. Oh, le monde religieux, les pentecôtistes, ils sont tous à la recherche du fantastique. Le monde instruit, soi-disant, le monde dénominationnel, est à la recherche d'une grande solution qui peut améliorer leur dénomination et attirer encore plus de membres. 1 million de plus, vous savez. Et les nations sont à la recherche d'une sorte de service de police capable d'amener tout le monde à se soumettre et d'apporter la justice. Neither does it come by Protestant organizations or by Catholic hierarchy. Neither does it come by pentagons or turning new pages. It comes by a surrendered life to Jesus Christ through the baptism of the Holy Ghost. Anything short of that is wrong. Let us pray. Frère, cela ne vient pas par le fantastique du pentecôtisme. Cela ne vient pas non plus par les organisations protestantes, ni par la hiérarchie catholique.
Cela ne vient pas non plus par les pentagones ou par le fait de tourner la page. Cela vient par une vie abandonnée à Jésus-Christ, par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, c'est faux. Prions. I'll ask your sister to come to the organ or the piano at this time. While we're in prayer, while every person has their head bowed, and every person in prayer, I wonder at this moment, if you would test your spirit against the Word of God, are you right? Je demanderai à notre sœur de venir à l'orgue là-bas, au piano en ce moment. Alors que nous sommes en prière, pendant que chaque personne a la tête inclinée et que chaque personne est en prière, je me demande en ce moment si vous pouvez mesurer votre esprit à la parole de Dieu. Êtes-vous en ordre? After this service, as I told you, I got a mother-in-law laying down there at the very point of death. I got this. She's dying. Other friends that I know of here that I visit, it's laying at the point of death. People who sit in this church. Après ce service, comme je vous l'ai dit, j'ai une belle-mère là-bas, à l'article même de la mort. Je dois aller la voir. Elle est mourante. J'ai d'autres amis que je connais d'ici, que je visite, qui sont à l'article de la mort. Des gens qui se sont déjà assis dans cette église. Oh, brother, sister, you're coming down there too. You got to come down there. Now you say, well, I know that, Brother Branham. I'm aiming to get that thing fixed up some of these days. But it may not be some of these days for you. This may be the only day. Oh, frère, sœur, vous en arriverez là, vous aussi. Vous devez en arriver là. Or, vous dites, eh bien, je le sais bien, frère Branham. J'ai l'intention de réparer cette chose-là un de ces jours. Mais pour vous, il se peut que ce ne soit pas un de ces jours. Il se peut qu'aujourd'hui soit le seul jour. How little did that man know, coming from California, going to Michigan the other day, with his little wife up here driving the car, him in the pickup going to their new home. He just retired from the Navy. How well did he know when he started off that morning, maybe from a tourist court, that his wife and baby would be a corpse in a few minutes? Cet homme était bien loin de se douter. Alors qu'il venait de la Californie et qu'il se rendait dans le Michigan l'autre jour, avec sa petite femme, elle conduisait la voiture. Lui, il était à bord de la camionnette, en route vers leur nouvelle maison. Il venait de prendre sa retraite de la marine. Il était loin de se douter, quand il est parti ce matin-là, peut-être depuis un port de tourisme, que quelques minutes plus tard, son épouse et son bébé ne seraient plus que des cadavres. But just above Henryville, their car collided with a bus, and the driver made his vehicle do a jackknife almost, but it killed the woman and the little girl. I trust that their soul was right with God. Mais là, un peu au nord de Henryville, leur voiture est entrée en collision avec un autobus, et le conducteur avait fait que son véhicule a presque fait une mise en portefeuille. Mais ça a tué cette femme et cette petite fille. J'espère que leur âme était en règle avec Dieu. A few weeks ago, when Brother Woods and I went up here to an airplane to sell back behind that place here, and watched them pull pieces of eight-man's body, one heads and legs and arms was all over the place. Il y a quelques semaines, quand frère Wood et moi nous nous sommes rendus à l'endroit où un avion s'était écrasé pas loin d'ici. Nous les observions alors qu'ils dégageaient des morceaux du corps de 8 hommes. Il y avait là des têtes, des jambes et des bras un peu partout. Picking up the body and the entrails falling out of the man's body, a good man, perhaps a famous man from Chicago. When that man got in the plane that morning, I wonder the night that he went to church if he had good intentions. Ils ont ramassé un corps, et les entrailles sortaient du corps de cet homme. Il s'agissait peut-être d'un brave homme, un homme célèbre de Chicago. Quand cet homme est monté à bord de cet avion ce matin-là, je me demande s'il avait eu de bonnes intentions le soir, ou il s'était rendu à l'église. Did the pastor give an altar call? Did he rebuke sin? And the man had a chance.
or did he go out like an animal? Was a man in the sight of God a son of God? Le pasteur avait-il fait un appel à l'autel? Avait-il réprimandé le péché? Et cet homme avait-il eu une chance? Ou était-il sorti comme un animal? Cet homme était-il, aux yeux de Dieu, un fils de Dieu? Think of those things, friends. They are important. They are not only important, they're the most important thing to you this hour. This is the time when you'll make up your mind. This is the time when you may make your decision of this life for the life hereafter. May you do it while we pray. Réfléchissez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Non seulement sont-elles importantes, mais elles sont ce qu'il y a de plus important pour vous en cette heure-ci. C'est maintenant le moment où vous prendrez votre décision. C'est maintenant le moment où vous pourriez prendre votre décision dans cette vie pour la vie à venir. Puissiez-vous faire cela alors que nous prions? Heavenly Father, as we read in the Bible of what you said about sin and those who do it and not confess, we realize what it means to die without knowing God. We know that by experience of others that we have seen go. Those who intended, those who put it off too long. Père Céleste, dans la Bible, nous lisons ce que tu as dit au sujet du péché et de ceux qui le commettent et qui ne le confessent pas. Nous sommes conscients de ce que ça veut dire de mourir sans avoir connu Dieu. Nous le savons par expérience, car nous avons vu d'autres personnes partir. Ceux qui ont eu l'intention de faire quelque chose, mais qui l'ont trop longtemps remis à plus tard. God, those who had professed and not possessed what they said they had. Those who had acted like Christians and yet never was a Christian. Their life proved it and their death made it manifest. Ô Dieu, ceux qui ont professé mais qui n'ont pas possédé ce qu'ils prétendaient avoir. Ceux qui ont agi comme des chrétiens, mais qui, pourtant, n'ont jamais été chrétiens. Leur vie l'a démontré, et leur mort l'a manifesté. Now, Father, I pray that you'll speak to every heart here tonight, and myself, Lord, for being dilatory, for many things that I could have done and did not do. I confess my wrongs. Maintenant, Père, je te prie de parler à chaque cœur ici ce soir. Et moi-même, Seigneur, pour avoir été lent à agir, pour toutes ces choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites, je confesse mes torts. I confess the wrongs of this people. I confess the wrongs of this nation. I ask you to have mercy, Lord. I've got three little children there to raise. And we're living here on a hot spot. God, there's no need of running. You know all about it. God, I want to be right with you. Je confesse les torts de ces gens. Je confesse les torts de cette nation. Je te demande d'être miséricordieux, Seigneur. J'ai là trois jeunes enfants à élever. Et nous vivons ici, dans un milieu hostile. Et, ô Dieu, il nous est inutile de prendre la fuite. Tu sais tout à ce sujet. Ô Dieu, je veux être en règle avec toi. Someday, if the atomic bomb don't get us, a wreck will. If a wreck don't get us, some disease will. Something has got to take us. But we're so happy to know that there is a way of escape. The name of the Lord is a tower. And the righteous run in there at and are safe. God, may the sinner friend tonight, boy, girl, man, or woman, see the open door, the opportunity, and run to Christ this hour. Un jour, si ce n'est pas une bombe atomique qui nous tue, ce sera un accident. Si ce n'est pas un accident qui nous tue, ce sera une maladie. Quelque chose doit nous enlever la vie. Mais nous sommes si heureux de savoir qu'il y a un moyen d'échapper. Le nom de l'Éternel est une tour. Elle est juste, s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ô Dieu, qu'un ami pécheur, ce soir,
garçon, fille, homme ou femme, vois la porte ouverte, l'occasion, et cours vers Christ en cette heure même. Now while we have our heads bowed, is there some here, or no, there's some here, that would like to save with an uplifted hand to God? I'm ashamed of my life. And I want to confess my wrongs before God and ask for mercy. Raise up your hand to God. God bless you. God bless you. God bless you. There's many of you. Many of you. Yes. There's many of you here too. That's pro- God bless you. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, est-ce qu'il y a des gens ici ou je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui voudraient dire avec une main levée vers Dieu, j'ai honte de ma vie et je voudrais confesser mes torts devant Dieu et implorer la miséricorde. Levez la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, nombreux. Oui, il y a aussi beaucoup d'entre vous qui... Que Dieu vous bénisse. Many of you here who have professed Christianity for a long time and know that you have failed to toe the line with God. Know that you're doing things right now that you ought not to do and you're going on confessing them. Just loosely floating along with the tide. Bon nombre d'entre vous ici ont professé le christianisme pendant longtemps et savent qu'ils ont manqué de se conformer aux exigences de Dieu et savent qu'ils font maintenant même des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et vous continuez sans les confesser. Vous vous contentez de suivre le courant. Looking at the kind of programs you should not look at. Look at the kind of magazines and reading the literature that you should not read. It's not becoming to Christians. Listening to the jokes of vile, vile and dirt and smut that you know you shouldn't do, both men and women. You know places where you could have spoken, did not do it, and you're guilty, maybe the sin of omission. Vous regardez le genre d'émissions que vous ne devriez pas regarder. Vous regardez ce genre de magazine et lisez des choses que vous ne devriez pas lire. Cela ne convient pas aux chrétiens. Vous écoutez ces plaisanteries dégoûtantes, dégoûtantes, ces histoires sales et ces grossièretés que vous savez que vous ne devriez pas écouter, hommes et femmes, les deux. Vous connaissez des situations où vous auriez pu dire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et peut-être êtes-vous coupable du péché d'omission. I wonder if you'd raise your hand to Christ. To have mercy on you and forgive you. Raise your hand. God bless you, young lady. As the woman walks out to come to the altar to confess her. Raise your hand to God. God bless you. That's right, mister. That's right. God bless you. Raise your hand. You know you've done wrong. Je me demande si vous voudriez lever la main vers Christ pour qu'il soit miséricordieux envers vous et qu'il vous pardonne. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Alors que cette femme s'avance, qu'elle vient à l'autel pour les confesser. Levez la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, monsieur. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Levez la main. Vous savez que vous avez mal agi. I wonder if you had the courage tonight to meet me here at the altar. Let's kneel around here and say, God be merciful to all of us. We're in need of you. God bless you, lady. Je me demande si vous avez le courage, ce soir, de me rejoindre ici à l'autel. Agenouillons-nous autour, ici, et disons, ô Dieu, sois miséricordieux envers nous tous. Nous avons besoin de toi. Que Dieu vous bénisse, madame. To see these young women coming weeping, life before them. They're at the crossroads. They're a victim of circumstances. De voir ces jeunes femmes venir en pleurant, elles qui ont toute la vie devant elles. Elles sont à la croisée des chemins. Elles sont victimes des circonstances. What do you realize, old man? When we were boys, our boys has got 10 times the temptation that we had. Sister, do you realize that your daughter has 10 times the temptation you had when you was a girl?
What will her daughter have? Look at the things, the pictures the devils are painting. Quoi donc? Vous rendez-vous compte, vous, les hommes âgés, que nos garçons ont 10 fois plus de tentations que nous n'en avions à l'époque? Sœur, vous rendez-vous compte que votre fille a 10 fois plus de tentations que vous n'en aviez lorsque vous étiez jeune fille? Et qu'en sera-t-il de sa fille à elle? Regardez les choses, les tableaux que le diable est en train de peindre. Oh, how we need to pray! Now I want to go back to you again. Brother, to your eyes, we don't pray half as much as our fathers did. Pastor, do you know we don't put as much time on our knees as the pastors before us did? Oh, il nous faut vraiment prier. Revenons à vous maintenant. Frère, vous rendez-vous compte que nous prions 2 fois moins que nos pères le faisaient? Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs avant nous? Women, do you realize you don't instruct your daughter and pray with her night like your mother did? You? Then what about us? Who's guilty? We are guilty. There's no way around it. We're guilty. Femme, vous rendez-vous compte que vous n'instruisez pas votre fille et que vous ne priez pas avec elle le soir comme votre mère le faisait avec vous? Alors, qu'en est-il? Qui est coupable? Nous sommes coupables. C'est incontestable. Nous sommes coupables. I'm guilty of not doing the job of God like I should do. I'm confessing it that I'm wrong. I'm asking God to be merciful to me. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas faire l'œuvre de Dieu comme je le devrais. Je le confesse, j'ai tort. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. I look out here and see the opportunities I've missed because of petty things, little old insignificant things that didn't mean nothing. I'm ashamed of myself as a gospel minister before you. I repent before God and ask God to forgive me and the church to forgive me for being so dilatory about the work of God. Je regarde et je vois les occasions que j'ai manquées à cause de futilité, de petites choses qui n'avaient pas la moindre importance. J'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile qui se tient devant vous. Je me repens devant Dieu et je demande à Dieu de me pardonner et aussi à l'Église de me pardonner pour avoir été si long à agir dans l'œuvre de Dieu. By the grace of God and by the help of God, I'll not listen to what everyone trying to tell you something to do. They got a program. They got something for you to do. Nonsense! I know God's program is written out here in the Bible. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que... Tout le monde essaie de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. C'est écrit ici dans la Bible. I'm ashamed of myself as a minister of the gospel. 1 million souls won, or to have 10 million souls won. I'm away behind. What about you? How many souls you won? Since you've been a Christ. Et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile. 1 million d'âmes gagnées. Je devrais avoir gagné 10 millions d'âmes. Je suis très loin du compte. Et vous, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Christianity just goes from one to another. How many souls you won since you've been a Christian? If you're not winning souls, you're guilty. You're barren. You're brought shame on the church and the gospel. Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable, vous êtes stérile. Vous avez amené l'opprobre sur l'Église et l'Évangile. How many people you get out for Wednesday night prayer meeting? If you're not doing it, you ought to be ashamed of yourself before Christ. You're guilty, and your place is at the altar. I invite you to come with me for repentance. Combien de gens avez-vous amené à la réunion de prière du mercredi soir?
Si vous ne le faites pas, vous devriez avoir honte de vous devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à vous joindre à moi pour la repentance. And will you bow your heads and keep it bowed a minute while I feel my guilt and would like to repent. Just bow your head. Alors, voulez-vous courber la tête et la garder inclinée un instant alors que je ressens ma culpabilité et voudrais me repentir? Courbez simplement la tête. Our Heavenly Father, I bow upon this altar and ask for forgiveness of my sins. I ask for forgiveness of the sins of those who are around the altar. I ask forgiveness for this church, for the body of believers, nationally and internationally. I ask for mercy for us being so dilatory concerning the things of the kingdom. Notre Père Céleste, je m'incline à cet autel et demande le pardon de mon péché. Je demande le pardon des péchés de ceux qui sont autour de l'autel. Je demande le pardon pour cette Église, pour le corps national et international de croyants. J'implore la miséricorde pour nous, puisque nous avons été si lents à agir en ce qui concerne les affaires du royaume. Je te demande de pardonner nos péchés et d'ôter nos transgressions. Et pardonne-nous d'avoir été si stupides. Pardonne la stupidité des gens. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons opté pour l'exercice corporel. Nous avons fait des choses que nous n'aurions vraiment pas dû faire. Nous avons vraiment péché devant toi. Et en cette réunion de dimanche soir, Père, alors que nous voyons rougir ce prophète de la Bible, nous rougissons aussi ce soir. Je rougis devant toi à cause des péchés des gens. Les gens, ma nation, mon peuple, j'ai eu honte d'eux, Seigneur. De voir nos jeunes dames se promener dans les rues et se comporter comme elles le font, de voir la prostitution de jeunes hommes qui vivent n'importe comment, de les voir rester à la maison plutôt que d'aller à l'église et lire des magazines qu'ils ne devraient pas lire. Ils regardent des émissions non censurées. Ils écoutent des plaisanteries grossières de Hollywood. Ils écoutent ce vieux boogie-woogie, cette musique du diable concoctée par des hommes de mauvaise vie et à la conscience corrompue, sous l'influence du diable, afin d'inspirer les œuvres du diable. Dieu, j'ai honte de moi, de ne pas avoir réprimandé ces choses comme je le devrais. Ô Dieu, ôte ma culpabilité. Je te demande de le faire. Je te demande de pardonner premièrement ces gens ici présents,
nous tous. Aide-nous à nous lever de cet autel, de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à quitter ce lieu comme des chrétiens le devraient. Aide-nous à faire ceci, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Non pas en ayant les regards sur la télévision, ni en ayant les regards sur les comédiens de ce monde, mais plutôt ayant les regards sur le chef, le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a méprisé l'ignominie de la croix, et l'a portée pour nous et a souffert hors de la porte, afin qu'il puisse sanctifier le peuple par son sang. Purifie-nous de toute iniquité et prends-nous comme tes propres enfants ce soir et reçois-nous dans cette prière de la repentance et donne-nous, Seigneur, la paix et la joie et puissions-nous cette nuit, alors que nous serons tous dans nos lits, penser à la réunion de ce soir et aux conditions de ce monde que la Bible nous a révélées en ce moment. Puissions-nous, alors que nous y pensons, avoir des visages couverts de honte, et puisses-tu apporter paix et bonheur à chaque cœur. Nous nous repentons devant toi, Seigneur, sur cet autel. Ô Dieu, aide-moi alors que je m'avance par la foi et que je prie que ce soit ta volonté que bien, bien, bien des centaines de gens puissent être gagnés pour toi. Et aide-moi à avoir la foi et le courage alors que je vais de l'avant, n'ayant les regards sur personne d'autre que toi, le chef et le consommateur de la foi. Ô Dieu, accorde-le. Pardonne chaque diacre de cette église. Pardonne le pasteur. Pardonne les laïcs, Seigneur. Pardonne chacun de tous ses péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque étranger parmi nous. Et puissions-nous sentir l'effet du Saint-Esprit dans notre vie, parce que nous nous humilions devant toi ce soir, en nous repentant de tout notre cœur, afin que tu nous reçoives et fasses de nous un peuple humble, tranquille, sanctifié, humble à ton service. Accorde cette bénédiction, Seigneur, à l'autel sur lequel nous sommes. Accorde-le, et nous courbons notre tête et notre cœur devant toi. C'est au nom de ton Fils
le Seigneur Jésus, que nous le demandons. Amen et Amen. Le long de l'autel ce soir, parmi mes frères qui sont ici à l'autel, je suis heureux de voir ce soir qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes. D'habitude, ce sont les femmes qui peuvent être facilement brisées. Their hearts or something about them can easily be touched because of the femininity of their ladies, and you can sometimes touch them. But I'm so glad to see the Holy Spirit can touch man too. Bring them to the altar. Leur cœur, il y a quelque chose chez elles. On arrive facilement à les toucher à cause de la féminité. Et ce sont des dames. Et on arrive parfois à les toucher. Mais je suis si heureux de voir que le Saint-Esprit peut également toucher les hommes et les amener à l'autel. And I wonder how many of you at the altar knelt now. That feels that you have made a consecration to God. That you're going out of here tonight to live a better life for the grace of God and to do more for the kingdom of God and for His cause. Et je me demande combien d'entre vous à l'autel qui sont agenouillés maintenant sentent qu'ils se sont consacrés à Dieu et qu'ils sortiront d'ici ce soir pour mener une meilleure vie par la grâce de Dieu et accomplir plus de choses pour le royaume de Dieu et pour sa cause. Would you raise your hand to Christ if you're around the altar and say, I believe that now I have repented. God bless you. Voudriez-vous lever la main vers Christ? Si vous êtes autour de l'autel, dites, je crois qu'en ce moment, je me suis repenti. Que Dieu vous bénisse. How many of you back there feel that you're repenting in your seat and feel like you want to do better? God bless you. Now, let us stand. Combien d'entre vous, là, sentent que vous vous êtes repenti à votre place, que vous voulez mieux faire? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, levons-nous. You here at the altar, face around that way if you want. Are you here at the altar, raise your hands out there that you desire their prayer that you may continue on. Will you raise your hands to the ones in the altar? Or, now you raise your hands back here at the altar here that you desire their prayer too. That will God will help us to do. May the Lord Jesus bless us. Vous, ici à l'autel, tournez-vous de ce côté-ci si vous le voulez bien. Maintenant, vous qui êtes ici à l'autel, levez la main là-bas pour montrer que vous désirez qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez avancer. Voulez-vous lever les mains pour l'indiquer à ceux qui sont dans l'auditoire? Très bien. Maintenant, vous, là, à l'autel, levez les mains pour montrer que vous aussi, vous désirez qu'on prie pour vous, pour que nous, Dieu nous aidera à le faire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Now, don't forget, the Sunday night service had your word to say, Brother Neville. Tuesday and Wednesday night, where is that mission located? 1628 West Market, this coming Tuesday and Wednesday night. And then on Saturday and Sunday, be at Madisonville, Kentucky, at the auditorium there. And then we go on up into New York. Maintenant, n'oubliez pas le service du dimanche soir. As-tu un mot à dire, Franeville?
mardi et mercredi soir. Où se trouve cette mission? 1628 West Market, mardi et mercredi soir prochain. Et puis, samedi et dimanche, je serai à Madisonville, au Kentucky, à l'auditorium là-bas. Et de là, nous irons à New York. Now, the reason we're getting out early, got a mother-in-law that's very, very ill, and they're calling for me. Now, let us, they got a word to say, Brother Neville? No. Nothing. Let us bow our hands. Bon, la raison pour laquelle nous vous laissons partir de bonne heure, c'est parce que j'ai une belle-mère qui est très très malade et on réclame ma présence. Maintenant que... As-tu un mot à dire, frère Neville? Rien. Courbons la tête un petit instant pendant que nous prions. Très bien. Lentement maintenant. God be with you.